Allô et bienvenue à une première vidéo sur la chaîne YouTube. Oh my god, je le dis, la chaîne YouTube! Entre deux. Ça fait un certain temps que je me posais la question si je le faisais ou pas. Et là, ben, étant donné que j'ai le temps de mettre mon énergie dans ce projet, why not? Alors aujourd'hui, comme première capsule, je vais commencer par vous introduire ma garde-robe qui est mon terrain de jeu. Qui est littéralement pourquoi j'ai parti ce projet-là, parce que j'aime juste vraiment ça. Alors, bienvenue. Rapidement, juste pour vous expliquer un peu le layout de cette garde-robe-là, il y a bientôt 2 ans, on a fait une grosse rénovation de la salle de bain, qui est juste ici de l'autre côté du mur, la salle de bain des maîtres, et du walk-in. Toutes les unités ici étaient déjà là, mais elles étaient aussi de ce côté-ci. Puis, Sébastien, mon mari, lui, on a fait des rénos dans le sol aussi. On a aménagé son walk-in en bas parce que la salle de bain en bas, c'est celle qu'il utilise le plus souvent à la base parce qu'elle se réveillait plus tôt, bref. Et on s'est dit, tant qu'à garder cet espace-là ici qu'il n'utilisait pas vraiment, on l'a complètement enlevé. Et voilà. Alors ça, c'était déjà là. C'est les unités PAX de IKEA. C'est les anciens propriétaires et nos amis qui ont installé ça. Alors voilà un peu comment c'était avant. Je vais essayer de trouver des photos. Alors, tu sais, bon, salle de bain, là ici, le walk-in. Yay! Le petit collant entre deux que je viens d'installer. Alors, voici, je me suis fait un mur de chapeaux récemment. J'aime beaucoup les accessoires. Ça ici, c'est des super beaux crochets que ça fait des années que j'ai jamais installé. J'avais pris ça aux Zara Home. Puis j'avais des supports individuels pour les colliers, puis les bandeaux, puis tout. Puis là, j'étais tannée. Bref, je l'ai mis ici. Mais mur de chapeau, cette chaise que je pense que je me débarrasserai jamais parce que je l'aime tellement. Et l'idée, c'est d'avoir des tablettes au-dessus du entre-deux où je vais pouvoir mettre mes super figurines. Alors, voici Coco et Carl. Ah, TLC, groupe d'enfance. Alors, voilà. Et mon super tapis de Tava. Et oui, mon meilleur ami, mon stand. Donc, si on commence, ça c'est la porte du fond. OK, donc là, je vais essayer de prendre des shots qui ont de l'allure. Alors là, ici, bon, j'en ai souvent parlé, mes supports, j'aime ça quand ils sont tous pareils. Ici, j'ai des supports en velours. Étant donné qu'ils sont minces, prennent moins de place. Je trouve aussi, pour tout ce qui est blues, tu sais, qui glisse, c'est que ça fait en sorte que ça tient bien. Alors là, le layout. OK. Puis ça, c'était déjà comme ça. Fait que là, ici, c'est une espèce de tiroir à bijoux. Tu sais, où je dois avouer que je les porte pas tous. Mais bon. Et le rack de pantalons. Fait qu'ici, j'ai principalement tout ce qui est jeans. Et là, mes pantalons habillés sont sur support ici. Puis là, après ça, j'ai tout ce qui est mes hauts camisoles bodysuit. Et je les place, normalement, je place mes choses tout le temps en ordre de couleur, parce que j'aime vraiment ça. Fait que ça, c'est porte numéro 1. Eh boy, excusez, eh là là, doucement. Vous voyez comment c'est solide, par contre. Hein? Deuxième porte. Oh, hi! Toulou! OK, alors ça ici, c'est l'espace long. Ça, là. Fait que là-dedans, j'ai jumpsuit, passion jumpsuit. Robes, toutes mes robes longues, fait que c'est là. Après ça, ici, on a les robes courtes. Alors, voici comment je l'ai placé. OK? Encore une fois, les supports, pas mal tous pareils. Je pense que j'en ai deux là-dedans à pince parce que j'ai des petites jupes. Puis après ça, on a un espace tiroir où, bon, costume de bain dans le bas. Là, ici, ça, c'est les ouatés laine automne-hiver. Puis ici, ce sont des jupes, justement, mais je les ai pliées. Parce que là aussi, un petit peu... hein? Troisième porte. Là, ici, on a tout ce qui est haut, veston, bomber jacket. Puis blouse longue. Et j'ai mes tiroirs. Donc, t-shirt, vêtements sport, crew neck. Puis dans le bas, ce sont jogging. Tout ce qui est comme moulousse. Alors ça, c'est ce qu'il y a ici. Et finalement, quatrième tiroir où là, c'est
une partie de mes souliers. Oui, il y en a ailleurs dans la maison. Je l'ai déjà dit, hein, passion souliers. Oh, c'est sombre. On va revenir ici, étant donné que c'est plus clair. Maintenant, si vous me demandez ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins du layout de mon walk-in, comme je vous ai dit, suite aux rénovations, on a pris la décision de garder tel quel, donc les espaces PAX de IKEA. J'aime, pour avoir eu des walk-in ouverts, que je trouve très beaux, parce que justement, quand tu peux avoir un design avec et tout, c'est très esthétique, j'aime beaucoup. Mais là, étant donné que j'ai les garde-robes fermées, je dois avouer que j'aime ne pas voir mes vêtements. Je ne sais pas comment expliquer. Comme j'aime quand c'est fermé, là, c'est slick. J'aime l'effet miroir aussi. Puis je dois dire aussi que comment c'est fait à l'intérieur de chaque unité, ça me convient très bien. Y aurait-il quelque chose que je changerais? Tu sais, c'est sûr que si j'avais le design moi-même, il serait quand même différent, mais j'ai quand même des espaces tiroirs. J'ai assez, moi, pour... J'aime accrocher mes choses, comme ça, on les voit bien. J'ai quand même beaucoup de long, par contre. Tu sais, du long, parce que j'aime beaucoup les robes, j'adore les jumpsuits, les kimonos. Fait que c'est peut-être ça que je verrais différemment. Mais autrement, je dois avouer que c'est... Pourquoi je regarde là? Merde! Ah! Oh. Désolée, je regardais dans le... caméra. C'est le premier, hein. OK, j'ai changé de spot, là. Mm-hmm. Là, je vais regarder dans la caméra sans ouvrir le flap. Donc, juste pour terminer, je disais, oui, qu'est-ce que j'aimais de mon walk-in? Qu'est-ce que je changerais? Donc là, c'est ça que je disais. C'est, si, mettons, vous êtes en mode design pour votre garde-robe, votre closet, votre walk-in, je pense que c'est de... Pensez à qu'est-ce que vous avez le plus, qu'est-ce que vous avez tendance aussi à acheter, comme justement, je sais que j'aime les robes, je sais que j'aime les jumpsuits. Fait que moi, un espace assez long, c'est important. Mais en même temps, comme je disais, j'ai un bon mix. J'ai des tiroirs, donc tout ce qui est justement t-shirt, tout ce qui est mou, qui se plie bien, pouf, on met ça là-dedans. C'est le fun, je peux mettre mes jeans sur mes racks de pantalons. Mais en même temps, des jeans, ça se plie bien parce que justement, ça froisse pas et tout. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant si je voudrais faire un switch. Et alors voilà. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai aussi une commode dans la chambre. Mais ça, c'est pas grave. Alors, bon, c'est ça. Puis, je vais finir là-dessus parce que là, je viens de voir le commentaire de Céline sur LinkedIn. J'ai mis ma vidéo d'introduction que j'avais faite à l'automne dernier sur LinkedIn aujourd'hui. Puis, elle a mentionné d'expliquer d'où vient le nom Entre deux. Entre deux, à la base, là, quand on était en brainstorm, j'en ai parlé justement à mes amis proches, puis avec Seb, mon mari, puis l'aspect à deux était tellement important pour moi dans ce type de service-là, parce que je pense qu'il y a quand même... C'est tellement personnel, la mode... Oups, ça bip, sorry. La mode, le style, notre perception de nous-mêmes, c'est tellement personnel, puis ça peut être très touché aussi pour certaines personnes. Alors, c'était très important pour moi d'avoir l'aspect de dualité, duo surtout. On le fait ensemble, on le fait à deux. Je suis pas là, moi, pour dire comme « Hey, fais ça comme ça, blablabla, c'est vraiment pas mon genre. » Donc, voilà, le « entre deux » est venu du fait que c'est quelque chose qu'on fait à deux, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Je suis à l'écoute de vos besoins et ma mission, c'est vraiment que vous vous sentiez bien, mais surtout excité de styler. Alors, voilà. Fait que ça, c'était en gros la première capsule. Puis aussi, l'aspect de dualité dans tout ça, c'est que moi-même, je peux pas dire que j'ai un style en particulier, j'aime vraiment essayer tout. Je suis très blanc, très noir. Et ben c'est aussi simple qu'à la base, je suis moitié chinoise, moitié québécoise et je n'ai jamais pu dans ma vie entière me sentir 100% dans un des deux. Alors, de là, le deux. Le yin-yang. Tout le temps. Enfin, bref, je vais finir là-dessus parce que... Alors, à la prochaine. Ah, désolé ma voix. Ah!